Bonsoir la communauté africaine, bonsoir l'Afrique, bonsoir tous les Noirs disséminés à travers le monde et toute sa diaspora, bonsoir à tous les amis de l'Afrique, blanc, noir, jaune, rouge, où vous êtes partout à travers le monde. Soyez salués. Bénédiction soit sur Nzambien Pongotolendo, le Dieu de nos ancêtres. Oui, j'honore toi qui incarnes la lumière universelle et j'honore aussi nos ancêtres. Nos héros, Modibo Keïta, Cheikh Anta Diop, Marcus Garvey, Antonin Firmin, Sylvanus Olympio, Thomas Sankara, Lumumba, Tata Simon Kimbangu, la reine Ndinga, Maki Mpavita, Mama Ngunga et beaucoup d'autres encore. Sékou Touré, j'ai pas oublié. Un adage, celui qui n'honorera pas ses ascendants sera déshonoré par ses descendants. Retenez bien cet adage-là qui est très important. Il est de notre devoir d'honorer nos ascendants afin que nous, à notre tour, nous soyons honorés aussi par nos descendants. Voilà, seul le nègre d'aujourd'hui, parce qu'il faut le préciser, d'aujourd'hui, qui ne sait pas que ses ancêtres, ceux qui sont nés, qui ont apparu dans la région des Grands Lacs et qui se sont adaptés aux conditions difficiles jusqu'à la vallée du Nil, sont les premiers guides de l'humanité. C'est eux qui ont commencé. Ce ne sont pas les derniers qui viendront nous montrer. Voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. L'os d'Ishango, c'est à nous. C'est dans ces régions-là qu'on l'a découvert. Les premières spiritualités, c'est nous qui avons créé. C'est nous qui avons commencé. Ce n'est pas ceux qui sont derrière qui viendront nous montrer. Et ça, le nègre d'aujourd'hui ne le sait pas. Les premières spiritualités, comme vous voyez ici, cette dame-là, ça, ce n'est pas moi. C'est dans la vallée du Nil, ça, en Égypte. C'est depuis des millénaires, plus de 3000 ans, plus de 3000 ans avant notre ère, ça, c'est Isis là, qui tient Horus, celle qu'on a blanchie aujourd'hui, transformée en Marie. C'est pourquoi je demande, la lecture, elle est très importante. La lecture, elle est très importante. Voilà, pour beaucoup d'Africains entre nous, ceci qui nous arrive là, des morts dans la Méditerranée comme ça, c'est la volonté de Dieu, ça. Ceux qui sont restés au fond de la mer, qui sont jamais arrivés avec des enfants, c'est la volonté de Dieu. Pour beaucoup d'Africains, pourquoi cette aliénation? Je vais vous expliquer pourquoi je dis tout ça. Ça, ce qui nous arrive là, pour beaucoup de nègres, ça, c'est la volonté de Dieu pour que nous vivions tout ça. Alors que c'est des hommes qui sont en train d'organiser tout ceci, que cela nous arrive. Et par notre manque d'unité, par notre ignorance, par notre manque de lucidité, nous ne voyons pas toutes ces choses-là. Il y a encore une semaine, plus de 400 personnes sont mortes du côté du Sénégal, englouties sous les eaux, en cherchant l'Eldorado de la France. C'est pourquoi j'appelle à cette unité. La diaspora doit être prête d'ici une année. Il y a des élections qui arrivent en France. Je vous appelle tous. Unissons-nous. Venez nous rejoindre. Vous pouvez nous contacter comme je donne le numéro 116. Si vous êtes à l'étranger, 0033 6 25 15 05 47. 0033 si vous êtes de l'étranger, 0033 25 15 05 47. Si vous êtes en France, 06 25 15 05 47. C'est le numéro WhatsApp. Pourquoi j'ai dit toutes ces choses-là? Parce que je vais vous laisser voir une vidéo tout à l'heure là. Des nègres ignorants. Je ne veux pas insulter, mais je veux expliquer cette vérité-là, qui sont en train de crier, au lieu de crier même le nom de leurs ancêtres, sont en train de crier des personnages fictifs. Je ne veux pas brusquer ou insulter certaines personnes, mais ce n'est qu'une vérité. Lisons, lisons, c'est très important. Lisons, c'est très important pour comprendre notre histoire. Parce que si nous n'avons pas la conscience historique, c'est difficile d'emmener des zombies inconscients à aller faire le combat. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Donc, je vais vous montrer cette vidéo pour que vous me dites ce que vous en pensez, cette vidéo-là. Vous asseoir immédiatement, asseyez-vous et attachez votre ceinture. Jésus-Christ de Nazareth, tu
Tu prends le contrôle de cet appareil. Dans le nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire. Tu es le véritable Seigneur. Yahweh Adonai. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Je te bénis, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu n'abandonneras jamais tes enfants, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tes serviteurs sont là, Seigneur. Je crois, Seigneur Jésus-Christ, au miracle. Dans le nom de Jésus. Dieu de gloire, le Dieu véritable, le Créateur des cieux et de la terre. Viens prendre le contrôle, Seigneur. Telle chose n'arrivera pas, Seigneur. Seigneur, j'ai confiance en toi. Personne ne mourra, Seigneur. Dans le nom de Jésus, personne ne mourra. En tant que ton serviteur, Seigneur, je déclare, personne ne mourra dans cet appareil. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Là, on est parti. Oh Dieu de gloire. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Tu ne mourras pas, Seigneur. Seigneur, manifeste-toi. On doit l'atterrir ailleurs, quoi. Il a perdu le contrôle. Merci Seigneur, le Dieu véritable, le Créateur des cieux et la terre. Je ne mourrai pas. Personne ne mourra dans cet appareil. Je ne crois pas. Je crois au miracle. Comment?
destination s'approche normalement. Nous allons bien arriver par la grâce de Dieu. C'est ce que je disais sur cette vidéo-là. On crie Jésus, 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 des personnages fictifs. Si je le dis, parce que avant notre ère, on ne parlait pas de ce personnage-là qui a probablement été inventé. Si je le dis, il faut lire. Ces livres-là, vous les trouverez à Tameri, hein, la bibliothèque Kamit panafricaine à Paris, 19 rue du Chalet à Paris. Voilà. Hein, l'Afrique noire précoloniale, chez Konta Diop. Nation nègre et culture, chez Konta Diop. Je ne vous demande pas de me croire, mais de chercher à connaître. Là, connaître Osiris, ça c'est la première, c'est la spiritualité africaine, ça. Ça. Et c'est ces deux ouvrages que vous trouverez donc à la librairie Kamit panafricaine. Voilà, Tameri. L'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, le nègre d'Afrique ne sait pas, le nègre d'aujourd'hui, que ces ancêtres qui se sont adaptés aux conditions difficiles depuis la région des Grands Lacs jusqu'à la Vallée du Nil sont les premiers guides de l'humanité. C'est eux les premiers. Voilà. Et seul aujourd'hui, ce noir-là, lobotomisé, conditionné, traumatisé, qui est aujourd'hui le seul à embrasser les religions des autres, de son oppresseur. Parce que rappelons que ces religions-là sont arrivées par le glaive. Et lorsque je dis par le glaive, vous savez de quoi je parle. C'est quelle religion? Et par le fouet, c'est ainsi. Et ces religions-là sont des plagiats de notre religion, nos religions ancestrales. Voilà. Ils ont déformé, qu'ils ont mal compris et qu'ils nous ont ramenés. Et le noir embrasse la religion de ses bourreaux. C'est ça la vérité. Parce que comme les temples d'Osiris ont été fermés donc des années avant, par l'empereur byzantin, Dioclétien. Et comme la nature a horreur du vide, on nous a remplacé des chimères, des religions chimères que nous embrassons aujourd'hui. Vous savez, si aujourd'hui on dit que tous ceux qui vont parler de l'esclavage, qu'on a été esclavagisés, si on interdit, soit on les tue ces gens-là, ou soit on les fouette, ou on les fait disparaître, en tout cas, il ne faudra juste que 4 générations, vous verrez que les générations futures oublieront que l'esclavage avait existé. C'est ça qu'ils nous ont fait. C'est pourquoi nous avons perdu la mémoire. Et grâce à une personne comme Cheikh Konta Diop qui a recollé la mémoire historique. Voilà le message que je voulais faire passer. Partagez la vidéo. On est ensemble, comme je disais, nous devons nous mobiliser. Engagez-vous. Engagez-vous pour l'Afrique. Unissons-nous. Notre unité ne demande aucun investissement financier. Unissons-nous afin que nous soyons forts et qu'ensemble, nous puissions faire changer les choses. Nous ne devons plus être encore des gens qui quémandent que nous aussi, on est des Français, que nous aussi, on est citoyens de ce pays-là, mais par nos impôts, par les mêmes droits que nous bénéficions et que nous payons tous les devoirs que nous faisons tous, imposons-nous pour faire changer la donne. Voilà à ce quoi j'appelle tous les Africains à nous rejoindre au numéro que j'avais déposé. Ingeta, on est ensemble.